honnêtement, j'ai eu l'habitude de vivre un peu mes moments sportifs très très loin des Vosges, dans des milieux vraiment concentrés sport auto, et du coup c'est vraiment avec plaisir que j'ai découvert et rencontré plein de sportifs de mon département qui sont tout proches de chez moi et qui ont un niveau incroyable, et on est très nombreux aussi, donc ça je dois dire que je suis surpris et qu'on passe vraiment une bonne soirée. C'est une grande famille et c'est la première fois que tu participes à ce genre de cérémonie. Absolument, c'est une grande première pour moi et j'espère pas une dernière parce que c'est vraiment un bon moment. Bon, l'année 2018-2019 a été plutôt fructueuse pour toi. Une très bonne année, la meilleure clairement de ma courte carrière. C'est pas compliqué, sur 9 courses, on fait 9 podiums, dont 2 victoires aux 24 heures du Mans qui est la course à gagner dans mon sport. Donc voilà, on pouvait difficilement rêver mieux. Tout ça, ça s'est fait dans un état d'esprit absolument génial. C'était une belle aventure humaine, c'était un partage incroyable. De pas forcément recontinuer l'aventure, c'est absolument sans regret parce que j'ai toutes ces images et je vis encore ces moments de bonheur partagés avec l'équipe. Donc vraiment une très très bonne année, et c'était absolument pas voulu que au terme de cette saison là je fasse une pause. Ouais, tu pars au sommet, c'est ce que tu dis? Ouais, en tout cas c'était pas calculé du tout. Voilà, moi j'avais juste la volonté de faire les choses à fond des questions après. Donc voilà, on a gagné cette course, on a gagné ce championnat, et puis dans le même laps de temps, j'ai dû prendre une décision sur l'avenir sportif. Voilà, décision que j'ai prise, c'était pas facile, mais aujourd'hui j'ai aucun regret parce que je peux me consacrer à 100% à ma famille et à mon boulot que j'adore. Ouais, tu gardes contact quand même avec le milieu? Bien sûr, d'ailleurs le week-end dernier j'étais à Bahreïn pour soutenir l'équipe pour la course de 6 heures de Bahreïn. Et il y avait aussi une cérémonie de remise des prix du trophée du championnat du monde. Voilà, et puis après on continue toujours à s'appeler évidemment, à s'envoyer des messages. Bien sûr qu'on garde contact, et puis je vais essayer de les retrouver le maximum possible sur les courses. Spectateurs, et puis en tout cas je vais essayer de pouvoir leur apporter mon aide, plus dans la voiture, peut-être en dehors, on verra. Oh, ça va te manquer un peu quand même. Ouais, c'est clair. Bah, c'est des sensations qui me manquent, c'est sûr. Mais c'est des sensations qu'on retrouve que si on se met pleinement dedans et que si on s'y investit totalement. Et en ce moment je ne peux plus faire ça. Donc voilà, ça me manque, et je sais que peut-être qu'un jour je les retrouverai.